Dieu pardonne l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu protège l'Afrique. Africa, oh, Africa, oh. La jeunesse passe, la vieillesse prend place, pense à l'avenir. La jeunesse passe, la vieillesse prend place, pense à l'avenir. Jeune homme, nommé vieil homme, pense à l'avenir. La jeunesse passe, la vieillesse prend place, pense à l'avenir. Abat la criminalité, abat la violence, abat la criminalité, abat la violence. La jeunesse d'aujourd'hui, l'espoir de demain. La jeunesse d'aujourd'hui, l'espoir de demain. Ilingi ya Congo, Karaka ya Lobi. Toa milengele, Lobi toko kamamboka. Toa milengele, Lobi toko kamamboka. Kasi na bitumba teo, kasi na kobo marateo. Kasi na kokende kiasi, kozwa maelo. Na koyo kola misala, eko pesa. Ito malamboka o, Congo. Sénégal, Afrique, RD Congo, Cameroun, Abidjan, Afrique, Nigeria, Bénin, Togo, Afrique. La jeunesse passe, la vieillesse prend place, pense à l'avenir. La jeunesse passe, la vieillesse prend place, pense à l'avenir. Jeune homme, nommé vieil homme, pense à l'avenir. La jeunesse passe, la vieillesse prend place, pense à l'avenir. Abat la criminalité, abat la violence. Abat la criminalité, abat la violence. La jeunesse d'aujourd'hui, l'espoir de demain. La jeunesse d'aujourd'hui, l'espoir de demain. Bonjour, bienvenue à l'émission Musique contre l'ennemi, l'émission qui vous donne le goût de suivre des clips en HD. Oui, il n'est plus de ce monde. Papa Lutumba est parti. On est en deuil. Les artistes congolais, oui, ils sont en deuil. C'est pour cela que je vous laisse vivre une chanson qui a fait son temps. Bisalela, composition de Lutumba Simaro. Suivez ce clip. A tout de suite. Pisale la, boni yo tutu boye mama e. Pisale la, boni yo tutu boye mama e.
kotambola na mopepe mama e Zala na soni moku ezali nde na nzoto na yo Nanza moninga bozala kinde libala Ika mobulu mikolo mizali nanu mobesu mama e Bitale na ho mama e Bitale na ho moyo nde mututu Omengo batikela yo okoluka lisusu ninye Anga motema mikolo mizali nanu mobesu Ika bisalela mama e Bisalela o mama e Bisalela o oyo nde mututu Bisalela nini ela mwisiyo boye mama ikaya Bisalela omane zalakane na pema na yango Yabaninga television banaka na mesa batalaka Oyo ya yo okoma kotala biprive abaninga na yo Bisalela ogo Bisalela yo mutawa Bisalela o mama ye Bisalela oyo nde mututu Bisalela likambo ya nsomo ekokamisa bato Bisalela olela mobali ata sanza mibale te Bisalela Chers amis, je pense que le clip Bisalela vous a plu. Oui, Sima Romasia, le poète nous a quittés et nous avons toujours écouté ses œuvres. Oui, il n'est plus en cellule. Lui, c'est qui? Doudou Kopa. Son album, Loin de Barreau. Je vous laisse suivre le clip, son tout dernier clip, Cellule 128. À vous, chers amis. Sayote biso ba kolombo nda toika piko mbala na kamoto ibi bibi biate epake kote aye na moto ibi mbonda mbala na kate epake akobini saba oya aye il monia la esanguzali Mabe na bola munango eloba makase mabe na volume ya likolo na mwa saturation bola mweloba makase na volume ya suka ye a peine audible mais esengwezali Mama e mama e mama e nga Mbuto lelo nga na lalite u Na koti boloko ba panzinga sango mabe Na ba oya nga Yenga kopa Shimene ele nga nga dudu kopa Kopa teki bangi Yenga kopa Sinita ele nga nga dudu kopa Opa viole Pandu ye bongi saka peti o
ngaye na ba politisya ba neglige ngaye mabosa ninyo sana sana ki pona bango. Vraiment le monde est méchant. Vraiment ils ont la mémoire courte. Oh. Vraiment le monde est méchant. Tu papa zala qui n'a Nelson Mandela. Papa Wemba Nkuru Kumani. Père son âme. L'homme parfait n'existe pas. La vie a ses aléas. Mais seuls les oiseaux de même plumage volent ensemble. Moi c'est Dudu Kopa de Miyama. Mea culpa. Chers amis, je pense que le clip de Dudu Kopa vous a plu. Oui, on va continuer toujours de faire la promotion de nos artistes. Mais il y a un jeune qui est en train de monter. Lui, il est dans la réalisation. Dan Scott. Je vous laisse vivre le film Trouble dans la chanson Nini Tida Kingai. A tout de suite, chers amis. Arkab. Lui, il fait du zouk. Lui, il fait de la rumba congolaise. Hein? Il fait danser même les gens avec des chansons Larry. Il est poussé. Je vous laisse donc suivre son interview réalisée depuis Mputouville. Ladis, à vous. Tala chafu ta cheno chishiri mpanda la munitu Kambo bimpo ila kwambiri jombu cheneka Kambo chimbamba cha chakuna bela. Voilà, bonjour à l'émission Musique entre les lignes. En fait, c'est un peu insolite ce que je me propose comme, comme émission parce que je le fais sur, un, sur une piste de ski. Je pense que vous avez remarqué toutes les personnes qui sont en train de skier devant moi, derrière moi plutôt. Donc voilà, c'est un moment que j'aime bien. J'aime bien de temps en temps venir faire du ski. Ça me permet de ressentir des sensations de la glisse qui me font du bien et puis de passer un bon moment. Et voilà. Donc, c'est depuis cette piste en Andorre que je vous fais cette émission pour Musique entre les lignes. Pour ce qui me concerne, donc de mon vrai nom, Ladislas Arkad Mbundu Bokassa, je suis artiste et chanteur. Originaire de Congo-Brazzaville, je réside en France. Et donc j'ai un style de musique qui est plus de la rumba modérée, quoi, avec parfois quelques touches, de, quelques touches latino, la salsa et tout ça que j'aime chercher. Et voilà, mon répertoire est plus chanté en lari, avec quelques chansons en lingala et en français. Je suis à mon troisième album. En 6 ans, il y a à peine 6 ans de carrière musicale, on va dire ça. Pour ceux qui me connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh ben, j'aurai le temps de me connaître par rapport aux œuvres que, qui sont sur le marché. Mes débuts dans la musique n'ont pas été faciles parce qu'en fait, je n'ai jamais cherché à faire de la musique. Ça n'a jamais été une préoccupation, donc c'était arrivé un petit peu comme un coup de folie, comme ça, avec les amis où je me suis donné à cœur joie de chanter sur une scène. Et de là, ben, ça a émerveillé tout le monde. Et puis voilà, c'était un petit peu ça le point de départ. Donc à travers les amis, ils m'ont encouragé, j'ai fini par
travailler ensemble avec eux et faire ce premier album qui est Dili. Et partant de là, il y a eu des retours de cet album-là, des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Des gens qui m'ont répondu, qui ont écouté cet album, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit pas mal de choses, des choses qui m'ont vraiment touché. Et ce qui a fait que j'ai pris plaisir. De ce fait, j'ai pu continuer à réaliser un deuxième album qui est Lucene. Et dans Lucene, c'est pareil, c'est toujours le même topo. Les gens qui ont écouté l'album, les gens qui apprécient. Et la particularité dans cet album-là, Lucene, c'est que j'ai fait un duo avec Nzungu Sow. J'ai connu Nzungu Sow. Et je pense que Nzungu Sow, partant de là, il a été de beaucoup pour moi. Il m'a permis de découvrir quelque chose en moi, personnellement, que je négligeais, on va dire, en fait, pas négligé, mais quelque chose que je n'avais pas conscience, ce qui m'a fait comprendre que ce que je faisais n'était pas le fruit d'un hasard, que être artiste n'est pas artiste qu'il veut, n'est pas compositeur, chanteur qu'il veut, et ce que je faisais, ce que je chantais était tellement profond et fort que pour lui, j'étais destiné à faire ce métier. Voilà. Donc en fait, il m'a mis en confiance, il m'a tellement raisonné que j'ai pris en fait confiance après de faire un troisième album qui est Boutou, voudrait dire le destin. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné le destin, parce que dans cet album, j'ai fini par me rendre compte que j'avais un bout de chemin à faire dans ce domaine-là, dans ce domaine musical. Parce que beaucoup de gens se retrouvent dans ce que je dis, dans ce que je chante. Et puis ça me donne en fait une force intérieure de se dire que si je peux être utile à dire des choses que les autres vont se servir pour peut-être améliorer leur quotidien, améliorer leur vie, apporter une réflexion toujours dans la vie, et je me donne ce plaisir à cœur joie. Et donc c'est pour ça que le troisième album est arrivé, un album de six chansons où j'ai fait le duo donc avec Fofana Monadi sur le chanson, chanson où j'ai osé des sonorités. C'est cette confiance là qui a fait que je puisse poser certaines sonorités, de chanter du compas en lari, de chanter une rumba, un peu rumba reggae modérée, et puis de prendre un petit peu des chansons un peu tradies modernes, de chansons traditionnelles, et essayer de le apporter un acoustique un peu moderne, quoi. C'est un peu ça qui m'a, la confiance qui m'a été transmise par Nzungu Sow. Le déclic, ça a été le retour que j'ai eu sur le premier album, Bidzilou. Parce qu'en fait, j'ai chanté des choses qui ont touché les gens. Et des retours auxquels moi-même je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que les gens puissent répondre de cette façon, que les gens puissent m'appeler, que les gens puissent m'encourager. Et c'est vrai que là, je me suis posé des questions. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de plus que chanter, que composer, que mettre en chanson mes convictions et certaines analyses? C'était ça, le déclic, c'est de me dire, je peux donner du plaisir aux gens, je peux faire des textes et pouvoir réfléchir les gens. Il va falloir que j'y aille. Je pense que c'est ça. C'est le retour des gens qui a causé en moi un certain déclic et qui m'a poussé à continuer. Chanteur, donc mes idoles forcément c'est des chanteurs à voix. Il y en a un que j'ai réalisé un petit peu ce que je pensais, c'est de chanter avec lui, c'est Fofana Monadi, avec le duo qu'on a fait sur Pluto, parce que j'ai toujours aimé sa façon de chanter, la grinta qu'il met dans sa voix et l'émotion qu'il arrive à transmettre dessus. Et de l'autre côté de notre rire, il y a aussi Debaba, le disparu, qui avait cette façon aussi de m'apporter de donner quelque chose de sentiment, de mettre un petit peu de la grinta, comme je dis, dans la voix. Ça, c'était mes fans. Il y avait aussi Rafa Bouzeki. Alors lui, c'était aussi sa façon de chanter, une voix un peu caractérielle. Et autrement, pour Rafa, moi, je pense que ce qui m'a plus énervé dans lui, c'est qu'avec un rien, il te faisait une chanson. Et une chanson très profonde. C'est un peu ça la particularité de Rafa. Et c'est pour ça que j'ai aimé cet artiste. Pourquoi je continue d'aimer? Parce qu'il m'a inspiré un petit peu de la façon de dire. On n'est pas forcément obligé de chanter, chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Voilà, il y a tellement de thèmes, plein de choses. Les gens s'attendent parfois à écouter autre chose que l'amour. Et je pense que Rafa a été un de mes précurseurs dans ce domaine-là. Après, il y en a d'autres, forcément. À écouter ces artistes-là, comme
côté de l'Occident, il y a Paulo Iglesias, vous êtes si jamais. Et Florent Pagny aujourd'hui, mais moi je considère l'homme. Koyokanga lisumu nini balimbisaka te po bolingo bayekolaka lokola tambola ya mwana bebe atako akoyi. Le coup a été réalisé par un ami, Harold Nganga, qui est aussi artiste chanteur. C'est pas le premier clip que je fais avec lui, ça en a déjà fait d'autres clips, parce que j'apprécie sa façon de chanter, parce que je n'aime pas trop les clips où voilà, beaucoup d'effets spéciaux. Voilà. Je pense que quand vous regardez le clip Coco qu'on a fait ensemble, c'est un clip sobre, simple, mais avec une qualité d'image et une réalisation qui est au top. C'est quelqu'un que je recommande et que j'apprécie, Harold Nganga. Merci à toi d'ailleurs, en passant. Et le clip qui est disponible, que vous pouvez trouver d'ailleurs partout sur les réseaux sociaux. Alors, l'émission Musique entre les lignes, je ne connaissais pas trop. Mais c'est Sirène Bassopé qui m'a fait connaître l'émission. Et je trouve le concept très bien, parce qu'on est sans oublier que nous, les artistes, nous sommes des maillons forts de la culture de notre pays. Musique entre les lignes est une des émissions qui, à travers les images, à travers les clips, joue ce rôle-là de promotion musicale, le rôle de faire connaître la musique de chez nous. Et c'est d'ailleurs aussi au monde entier, quoi, parce que c'est une émission qui est sur le concept de la musique entre les lignes. Pour moi, c'est quelque chose qui des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, hein, mais finalement que cette émission fait ressusciter, met à la lumière du jour, quoi. C'est-à-dire les artistes, c'est que parfois qui ont du gros talent, mais finalement qu'on n'a pas la possibilité de voir, et bien, musique entre les lignes a ce talent-là aussi, de pouvoir aller chercher les artistes, dont moi j'en fais certainement partie, et les met à la lumière du jour. Voilà. Moi, c'est une émission que je regarde souvent quand je peux et que j'encourage. Alors, le mot de la fin, c'est pas le mot de la fin, mais pour terminer l'émission, je veux dire, c'est de dire un merci, et merci à tout le monde. Merci à l'émission aussi, à vous qui m'avez donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Merci à Sirek Bassoka, avec qui je travaille. Et je sais que je ne suis pas tout à fait facile, mais bon, on se comprend. Hein. Il me comprend, je le comprends. Et de cette façon, on fait chemin ensemble. Et ça se passe très, très bien, très, très bien. Donc, merci à lui. Et puis, merci à Rosine Makosso sur Pointe-Nord aussi, qui apporte beaucoup sur ma promotion, hein, qui a pris le devant sur pas mal de choses et qui est en train de préparer. Alors là, je lance un petit scoop aussi. Je suis en train de préparer un concert que je vais donner à Pointe-Noire d'ici cet été, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et puis merci à toutes les personnes, merci à vous qui m'écoutez, merci à vous qui m'envoyez toujours des messages d'encouragement, qui faites à ce que je puisse être confiant et conscient de ce que je dis. Et puis je continuerai toujours à vous servir, hein, tant que j'aurai cette force-là, tant que j'aurai cette capacité de pouvoir raisonner, réfléchir, ben je le ferai toujours. Un grand merci, voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Et Lady Sarkade, donc je le suis dans les réseaux sociaux. Toutes celles et ceux qui veulent me découvrir, ben, c'est d'aller dans les réseaux sociaux, taper Lady Sarkade, et bien, vous avez toutes les informations. Mes trois albums sont disponibles sur le marché, donc Bidilou le premier, Le Sindé le deuxième et Boutoumbou le troisième. Les trois albums chantés en lari avec quelques chansons en lingala et en français, que je vous laisse découvrir et vous ferez une idée de vous-même pour répondre à la première question, qui est Lady Sarkade. Et bien, c'est à vous de vous donner de vous faire ce plaisir-là d'aller chercher sur Internet un peu partout, et vous découvrirez qui est cet artiste qui se pointe là devant vous dans cette émission Musique entre les lignes. Voilà, merci, ciao. Thank you.
koyo kanga lisumu nini balimbi sakate pobolingo baye kolaka lokole tambole ya mwana bebe atako akoyi azoki ako persevere kaka suka se akoye kola ofana mulanje kote langa ayaka po apesa yo bolingo ekonobo pota maliki moko apakola malasi na yo mona kakara na se ya kwiti motu epata fimbo te o na confondre sanya bolingo koko yango nasengi bolimbisi pardone ngaye mea culpa tima mononke pembe ve kasi mwa mambo akitaka okele na kati ye kulosa ya uve ata yame kuma bamputa soki alati kaka liputa pamba pe atelemi na songi ya lombango basi baleka batala ye na liso ya mofiti mpo
les amis, je pense que le numéro d'aujourd'hui vous a plu. Oui, on était avec Ladis Arcade, lui depuis Mputouville. Ouais, on avait bien commencé, hein, mais nous sommes arrivés à la fin, on doit partir. Mais je ne peux pas partir sans saluer ceux qui sont toujours autour de moi, ceux qui aident Musique Entre les Lignes. Hein? Aujourd'hui, nous avons Erol Mawanga, le papa de Divin et Divine. Mais sans oublier le papa de Précieux. Mais lui, c'est qui? Elua Samba, mon balai qui toco. Mais tout, Oyo, toujours ça là. Vous savez c'est qui? C'est Nganga Nzambe. Lui, il est au ministère de l'enseignement technique. L'homme fort. Ah, vieux, Zalaka non kapak. Parce que sans Oyo, bisous toi mort. Mais, j'oublie pas, j'ai un petit qui m'a téléphoné, vieux, Borangaï. Lui, c'est Diato, Bengo, Yannick. Il est au lycée Savarno de Braza, Peyaoun. Bon, j'oublie pas, Erol, tu dis, je salue qui? Andongi. Oh! Andongi, depuis Kaka Dakar. Hein? Vieux dans la Kolobor, Zalaka Kakamakasi, très très fort. David Bavota, depuis Mputouville. Et là, son bâtiment qui? Tina Pascal. Tina Pascal. Lui, c'est depuis où? Depuis Mputouville. Donc, Mama Saboebike, émission à Binobo, voter qui est beau, bien, naka. Hein? Hasta luego, amigos. Ya ustedes saben. Nos vemos. Tu ruinais, l'envie s'attire. Dans l'air magique, un plagier, chercher jusqu'au